Good morgen, allez, Iden, les autres aujourd'hui, le Lunishmat, mon Rabbi, Shmuel, Ben Shlomo, Zalman, Shlomo, Yamin, Ben Mazal, Rachel, Rachel, Batsara, ainsi que le Fouad, Sarah, Bat, Bat, Yerifia, Felosul, Ben Chemalia, Mariam, Bat, Chassida, Edov, Ben Yotit, Betor, Chakol, Israël, si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Demi-Chak, contre laquelle c'est la minute éternelle. Nous étudions, Masechet, Rolin, Per Exaïn, Mishnachet, Gidan, Hachéchinin, Bachel, Im, Hagidin, Bizman, Shemakiro, Benoten, Ta'am, Veim, Lav, Kulan, Asurim, Ve'arotev, Benoten, Ta'am, Vechen, חתיכה של נבלה וכן חתיכה של דג טמא שנתבשלו עם החתיכות בזמן שמכירן בנותן טעם והם לאו כולן אסורות והרוטב בנותן טעם. Une mishnah qui se répète deux fois, une fois avec l'interdit de guidanaché, une fois avec des morceaux de viande ou de poisson interdit à la consommation. Le principe, on continue le principe ouvert dans la mishnah d'hier. Lorsque l'on fait des mélanges interdits, à comment permettre le plat? Hier, on avait la première notion qui apparaissait. C'était que il faut que, si on a oublié de disséquer le nerf sciatique de la viande, alors on va calculer, est-ce qu'il y a dans cette quantité de nerfs de quoi diffuser un goût dans le reste de la viande, qu'on évalue un 1/60, qui correspond plus précisément à ce qu'un bout de viande donne encore du goût lorsqu'on le fait cuire avec des navets. Ça, c'était la Mishnah d'hier. On continue maintenant avec le même principe, cette fois-ci, on va découvrir une nouvelle notion, ce qui s'appelle Khatikha Khashuva. Je préfère vous le faire d'abord, avant de le lire. C'est plus facile même à la limite d'expliquer avec la suite de la Mishnah. On va voir qu'on va parler de Khatikha Shel Nevela et Khatikha Shel Dagtame. On va parler d'une tranche de viande, mais qui est Nevela, qui n'est pas kasher, qui n'a pas été abattue avec une Shrita, ou un morceau de viande de poisson impropre à la consommation, de poisson assourd. Succinctement, on va prendre un bout de viande, taref, un morceau de viande interdit. Et imaginez qu'une belle tranche, et je la fais cuire dans une casserole avec 20 autres belles tranches. Il s'avère donc qu'au final, j'ai pour une tranche d'interdit, j'en ai 20 interdites. D'abord, je préfère en avoir un cas plus extrême, excusez-moi. Je vais prendre un cas d'abord où je prends une tranche et je la fais cuire avec même 100 tranches, 200 tranches de viande. Je suis un traiteur. Je veux faire le plat de la réception, et je vais prendre 200 tranches de viande, et je vais, par erreur, ouais, elle s'est glissée dans ma cuisine, une autre tranche de viande interdite. Alors en théorie, on avait dit quoi? Que on va permettre s'il y a 60 fois le volume. Eh bien, c'est faux. Cette fois-ci, ce sera faux. Pourquoi? Il y a une halakha particulière que davar chashuv lo batel. Une notion très embêtante, très dérangeante, mais qu'une tranche importante ne s'annule pas. Même lorsqu'il y a 60 fois son volume. C'est une notion, si vous voulez, l'idée, c'est que quelque chose que davar chashuv, quelque chose qui a une importance, une belle tranche que l'on sert devant quelqu'un, c'est pas des morceaux de viande. Ouais, je reprends, je vais plus illustrer ça comme ça. Si je faisais cuire des petits bouts de viande, comme ce qu'on peut faire avec, des fois, lorsqu'on fait de la viande avec des sauces sympathiques, mexicaines, chinoises, ce que vous voulez, du poulet en petits bouts avec des légumes. Là, c'est des petits bouts, il n'y a plus de khatikha khashuva. Dans ce cas-là, s'il y a 60 fois le volume, c'est permis. C'est permis et on pourra tout manger, il n'y aura rien à ressortir, c'est pas grave. Il y a 60 fois le volume, ça s'est perdu dans la masse. Mais si c'est des tranches importantes, alors il y a une notion qu'on considère qu'elles ne se sont pas vraiment mélangées en fait. Elles sont disposées une avec l'autre, mais elles ne s'influencent pas une ensemble. C'est une notion, il faut l'accepter, il faut la prendre telle qu'elle. D'avoir khashuv lo batel, quelque chose d'important. De ce fait, une tranche, c'est quelque chose d'important. Si on sert une tranche par personne, par exemple, alors, c'est quelque chose qui ne se fond pas dans la masse, c'est la notion. Ça ne se mélange pas avec le reste. C'est posé à côté du reste, mais ça ne se mélange pas. Si ça ne se mélange pas, ça ne s'annule plus. D'accord? Et on va se retrouver avec une situation originale. C'est que, si par exemple, je vais prendre ma tranche, je vais la faire cuire avec, donc je vous ai dit, 200 tranches de viande. Et à part ça, il y a aussi plein de légumes dans la casserole. J'ai tout pris tout ça, j'ai fait tout cuire tout ça. Et je réalise la bêtise que j'ai fait cuire la viande interdite, c'était la viande de l'ouvrier Goy qui était venu travailler, il avait amené sa viande, j'ai pas fait attention, je l'ai mise dans la casserole. Eh bien on va me dire, tu sais quoi? Tu dois travailler sur deux plans. Par rapport aux tranches, tu pourras pas manger les tranches. Parce que tu as un doute maintenant par rapport à 201 tranches, quelle est la tranche interdite, et ça ne s'annule pas, tu les prends toutes, tu les jettes. Par rapport aux légumes, sache que malgré tout, ta tranche de viande interdite n'a pas pu donner de goût, parce qu'elle avait 60 fois contre son volume, même mieux que ça. Même s'il y avait même 20 tranches de viande, et
et 40 en volume, et 40 fois le volume de légumes. Je vais te dire, tu sais quoi, la tranche de viande interdite, elle a déjà diffusé contre 60 fois son volume. Elle a diffusé son goût aux autres morceaux de viande et aux légumes. Il s'avère donc qu'elle n'est pas capable de donner du goût. Donc les 21 tranches, la tranche interdite et les 20 tranches, tu les jettes, et le reste des légumes, même s'il va te rester qu'un volume de 40 fois la tranche, tu pourras manger ces légumes parce que ces légumes n'ont pas absorbé le goût de l'interdit, étant donné que la viande interdite n'avait pas de quoi donner son goût. Puisqu'elle avait 60 fois contre 60 fois par rapport à son volume, elle avait 60 fois contre elle de volume dans la marmite, donc c'est resté permis. Vous avez compris l'idée? Et bien maintenant, c'est aussi le même principe. Je vous ai dit le principe avec une part de viande importante. Mais il faut savoir, c'est le même principe aussi avec le guide d'Anaché. Étant donné que le guide d'Anaché, ça a été il a eu le privilège d'avoir eu un interdit individuel dans la Torah, alors lorsqu'on va se retrouver avec tout le guide d'Anaché qui est mélangé dans une casserole, eh bien, on va dire que le guide d'Anaché, de nouveau, il ne s'annule pas. Quelle est l'importance? Imaginez, je ne sais pas dans quelles circonstances on s'amuse à faire cuire des guides, des nerfs, mais imaginez que quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, il a retiré tous les nerfs de l'animal pour les faire cuire. Ça lui prend, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est bon, on n'a pas essayé, donc on va pas dire que c'est pas bon. Ouais, on se mange des nerfs chez nous. Ouais, ils mangent des nerfs ensemble. Et donc, j'espère qu'il reste calme ensuite. Donc, ils ont pris tous les nerfs de l'animal, ils les ont fait cuire ensemble, et il s'avère qu'il avait mélangé dans tous ces nerfs, il avait mis aussi le guide d'Anaché. En volume, il y a 60 fois le volume. Le problème, il est que le guide d'Anaché ne s'annule pas, parce que c'est une entité indépendante que la Torah elle a donné un interdit spécial. C'est aussi considéré comme d'avoir chashuv lo batel, quelque chose d'important qui ne s'annule pas, qui ne se mélange pas avec les autres. De ce fait, on se retrouve dans la même situation. On pourra manger plus aucun, on n'aura plus le droit de manger plus aucun nerf, parce qu'ils sont tous interdits dans le doute que c'est peut-être lui, même s'il a 60 fois le volume. Mais malgré tout, la sauce sera permise. Et si vous avez compris ça, alors on a de quoi faire toute la Mishnah. Et après, on rajoute encore un petit mot sur le très bon Barthélemy de la fin de la Mishnah, qui vous donne un petit aperçu de tout ce qu'on peut étudier dans. C'est tous les dapim qu'on étudie, les Khotar, en fait, dans le Shulchan Aruch, quoi. Donc, Guida Naché, Shinin Bachel et Magidine. 1. Le nerf sciatique qui s'est fait cuire avec les autres nerfs. Il y avait 60 fois son volume. Bisman Shemakiro, d'abord. Tout d'abord, lorsqu'il le reconnaît, aucun problème. Benotentam, lui, tu le retires. Bien sûr, tu ne pourras pas le manger. Chaque fois qu'on a un mélange interdit, si tu reconnais l'interdit, tu dois d'abord retirer l'interdit. Il n'y a pas de question sur ça. Donc, Bisman Shemakiro, à partir du moment où il le reconnaît, Benotentam, tu le retires. Et tu calcules juste, est-ce que par rapport à son volume, il y avait 60 fois contre lui? Et si, ouais, 60 fois son volume. Et si elle veut 60 fois, c'est permis, ça n'a pas donné de goût. Veim lav, par contre, si tu ne le reconnais pas, kolan asurin, ils sont tous interdits, tous les nerfs sont tous interdits. Par contre, tu vas prendre tous les nerfs, tu vas les jeter. Veharotev, par contre, si tu veux manger la sauce, l'utiliser, benotentam, s'il n'y avait pas de quoi donner la quantité, donc de quoi lui donner du goût. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la quantité requise pour qu'il puisse donner son goût, parce qu'il y avait 60 fois son volume, par rapport au volume du guidanaché, eh bien. Le plat sera permis, la sauce sera permise. Idem encore. Vechen chaticha shel nevela. Idem pour une tranche de viande nevela. Une viande qui a été abattue sans shrita. Un coup sur la tête. Vechen chaticha shel dagtame. Ou encore une tranche de viande de poisson impur. Impropre à la consommation, qui n'avait pas d'écailles et de nageoires. Shenit bashlui machatichot. Ils ont tous été cuits en même temps. Bisman Shemakiran, s'il va reconnaître la tranche de viande ou la tranche de poisson interdite, Benotentam, tu la retires et juste tu calcules est-ce qu'elle avait de quoi donner du goût. Si elle avait de quoi donner du goût dans le plat, tu jettes tout, bien évidemment. Si elle n'avait pas de quoi donner du goût parce qu'elle avait 60 fois son volume, eh bien ce sera permis. Tandis que Veim Lav, mais si tu ne reconnais pas la tranche, Kolan Asurot, toutes les tranches seront interdites. Veharotev, Benotentam, par contre la sauce, de nouveau, s'il n'y y avait pas de quoi donner du goût, eh bien la sauce sera entièrement permise. D'accord? Il y a maintenant, vous avez devant vous un très long Barthélemy noir qui vous présente un petit peu les quelques principes qu'on évoque lorsqu'on parle d'Hilchot Taharovet, les mélanges interdits. Succinctement, on a évoqué jusqu'à maintenant qu'on fait cuire deux espèces différentes. C'est-à-dire, je fais cuire de la viande avec des légumes. Et on avait déjà appris, déjà dans la Mishnah précédente, je vous avais déjà introduit, qu'en réalité, le top, c'est de faire goûter à un goy
Est-ce que ça a donné du goût ou pas? Il faut juste trouver un goy crédible, il faut trouver un goy professionnel qui a un intérêt à ne pas mentir. Parce que sinon, il se fait avoir, donc il veille, un goy qui fait attention à parler juste. Si c'était un mélange de trauma, alors on pourra donner, faire goûter un Cohen. Ça, c'est a priori. Si on trouve pas si on trouve pas de goy ou de Cohen pour la trauma qui puisse goûter ce plat, et bien dans ce cas-là, alors on calculera avec 60e. Ça, c'est que lorsque c'était minbe et nomino, une espèce qui se mélange dans une espèce différente. Mais si c'est une espèce qui se mélange dans la même espèce, ça veut dire de la viande avec de la viande, et bien dans ce cas-là, on calculera toujours avec 60 fois le volume. Ça, c'est un interdit midrabanan uniquement, parce que selon la Torah, un dans deux suffisait pour pouvoir le permettre. On va s'arrêter là, on en a dit assez. Bien sûr, le bâtonnerie allonge beaucoup plus parce qu'il y a encore des cas particuliers. Il y a le cas de la mamelle que l'on fait cuire avec de la viande. Vous savez, dans la mamelle, il y a du lait dedans. Donc ça fait des mélanges de viande et de lait. Il y a encore, on parle d'un cas particulier, lorsqu'on fait cuire un œuf où il y avait dedans un poussin dedans. Chacun il a son calcul, il a sa manière de calculer. Nous, pour notre propos, on s'arrête là. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.